Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis dehors, je suis dans mon jardin. Désolée, vous entendez les poules du voisin. Je vais vous faire un petit haul de mes plantes que j'ai achetées pour mettre dans mon jardin. Et je vais vous montrer un petit peu, un peu plus en détail, ce qu'il y a actuellement dans mon jardin. Voilà, et vous montrer ce qu'on a commencé à faire au niveau du poulailler du voisin. Voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ce sera en commentaire, vous savez bien, je vais vous répondre. Et sinon, ben, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on se retrouve à la fin pour le bisou. À bientôt. Je vous montre d'abord le petit coin qu'on a fait. Zen, c'est le coin chouchou. Donc, avec le bambou qui vient de chez Willem. Donc il va pousser, on va le rempoter hein, dans la semaine. Ça, c'est un géranium qu'on avait eu chez Aldi. Et le bambou, le Bouddha, pardon, qui vient de chez Action, que j'ai reverni pour pas qu'il s'abîme. Alors ici, c'est ma commande que j'ai reçue hier de chez Willem. Voilà, en plus du bambou. Donc ici, c'est un hydrangea, voilà. Là. Donc c'est un hortensia grimpant. Je ne savais pas qu'il y en avait des grimpants, donc du coup ben, j'en ai pris un. On verra ce que ça donne. Ici, celui-là, c'est un deuxième. Alors, vous entendez les poules, mais le coq. Là, c'est un Deutzia Stamberryfield. Alors, je suis un peu déçue parce que, vous voyez, j'ai reçu. Il y a une des branches qui est cassée. C'est dommage. Et il y a la deuxième branche, là, voilà. Ça m'embête qu'il y ait une branche de cassé, mais bon, je peux rien faire. Je vais la couper. Je vais voir si je peux la repiquer quand même pour récupérer. Ici, alors je laisse pour l'instant tout emballé parce que comme je ne vais pas planter aujourd'hui, voilà. Là, ce sont des agapanthes African Queen, donc des bleus. J'essaie de vous montrer à l'ombre. Voilà. Donc il y a un pied. Ici. Là, il y a trois pieds. C'est des spirées tricolores. Donc j'ai trois pieds. Alors, je vais vous donner les tailles. Alors, le spirée tricolore va monter jusqu'à 1 mètre. Voilà, on peut s'en servir pour faire des haies. Je vous mettrai des photos en taille adulte pour que vous voyez ce que ça fait. Ça fait 40 cm à peu près de large quand c'est adulte. L'agapanthe peut monter jusqu'à 70 cm. Ici, le Deutzia peut monter jusqu'à 1,50 m. Et l'hortensia grimpant, lui, peut monter jusqu'à 6-7 mètres. Voilà. Ensuite, j'avais pris... Alors là, c'est des renoncules. Donc, c'est des petits oignons. Là, vous ne les voyez pas. Hein. Donc, j'en ai pris deux paquets. C'était 1,50 €, je crois, le paquet. Ou 1,20 €. Et ici... c'était des iris, poésie. Donc c'est des roses pâles avec une bordure rose foncé, ils sont magnifiques. Voilà. Donc ça c'était pour chez Willem. Je vous montre le reste maintenant.
Alors, chez Jardizo, voilà, j'ai pris deux grimpantes, un jasmin, donc il va être jaune. Vous voyez qu'il peut monter jusqu'à 3 mètres. Voilà, il est déjà bien en forme. Et une clématite, donc couleur violette, qui peut monter jusqu'à 2,50 m. Ça faisait un moment que je voulais une clématite, qui est jolie aussi. Donc ça, c'était à Jardizo. Oh, pardon. Et ici, c'était à Jardiland. Donc là, c'est un genêt. Donc il sera jaune. Il a déjà ses petites fleurs qui commencent. Et un petit sapin, oups, comme ça. Alors son nom, est-ce qu'il est marqué? Attendez. Chamaesi Paris. Voilà. Hop, attendez, je me relève. Voilà, pour vous montrer. Voilà, il fait déjà un petit mètre. Donc voilà, c'est mes petits achats que j'avais donc fait pour commencer à planter. Voilà, et je vais vous montrer maintenant ce qu'on a fait hier déjà sur le côté du poulailler. Donc voilà, hier on a commencé à mettre les bordures en bois. Ici, là j'ai mis mon vieux Bouddha, et je vous montre un truc, voilà, ici, malgré que j'ai mis une bordure, les poules, continue à me faire des trous. Elles font des trous de mon côté. Donc, on en a parlé aux voisins. Oups, j'avais tombé. Il va mettre des tôles de son côté, enfoncées dans la terre, pour qu'elles arrêtent de creuser. Voilà. Je suis dégoûtée. Et du coup, je dois attendre qu'il ait mis ses tôles. Normalement, il doit le faire aujourd'hui pour que je puisse mettre maintenant mes bambous. Bon, là, c'est mon petit parterre, un de mes parterres de fleurs, bon, qui n'est pas fini de nettoyer. Du coup, avec le temps, j'ai pas pu. Voilà. Et là, je vous montre. Je vais vous mettre son nom. Je l'ai plus en tête. Ça fait partie des orchidées, je crois. Mais c'est une plante nocive. Enfin, faut pas que les animaux la touchent. Et ça pousse, mais alors, partout. Et ça fait une seule fleur. Quand elle sera fleurie, je vous montrerai. Ça fait une énorme fleur. Mais ça pousse vraiment partout. J'en ai plusieurs pieds. C'est joli, hein, mais c'est toxique. Donc quand je touche à cette plante, ben, je mets des gants. Je vous mets le nom en dessous. Là. Mon cerisier japonais qui a déjà perdu ses fleurs, ça y est. Oh, j'écrase mes fleurs. Ça, c'est un hou qui était déjà là quand on est arrivé. Voilà.
Et là, c'est un seringa, je crois, si je me trompe pas. Donc, il commence à pousser. Il est tout petit, chez Willems aussi. Voilà, vous voyez, il y a encore du boulot, hein. Ici, j'ai mon petit lilas qui commence à pousser. C'était la maman de ma belle-fille qui habitait avant à côté, qui me l'avait donné quand elle est partie. Donc, il commence à bien prendre forme. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si je retrouve, je vous mets le nom. Pareil, c'était elle qui me l'avait donné. Mes tulipes, il n'y en a pas beaucoup. Je vais en remettre pour l'année prochaine. Là, toutes mes petites fleurs bleues, ça j'en ai partout aussi, hein. Ça pousse partout, ça. Mes framboisiers qui commencent à bien repousser, j'avais taillé, mais ils commencent à me faire des pieds un peu partout aussi. Donc je vais récupérer, que je vais replanter. J'ai plein de bébés. Ici, c'est mon cerisier qui est bien en fleurs. Okay. L'année dernière, elle nous a donné 10 cerises. Oui, tout jeune. Le rosier, bon, là, il faut que je retaille les branches mortes, il faut que j'enlève toutes les mauvaises herbes. Mais lavande qui commence à pousser, que j'ai eu l'année dernière chez Willems aussi. Rosier, lavande. Voilà. Rosier. Et là, c'est un grimpant. C'est celui que je vous parlais l'autre jour. J'essaye de le récupérer, mais il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Donc, lui. Alors, il y a quand même une petite pousse là. Donc, on va peut-être le laisser, voir ce qu'il va donner avant de le jeter. On verra bien. Encore un genêt. Là, mes pivoines qui commencent à sortir. Donc, j'ai un pied là. Et là, le deuxième genêt, il est un petit peu en retard. Deuxième pivoine, elle est un petit peu en retard. Et là, mon poirier. Alors, il est un peu en retard sur les fleurs. Il m'en fait moins que l'année dernière. Mais lui m'avait fait une poire l'année dernière. Ici, mon pied de rhubarbe. Du coup, cette année, je pense que je vais avoir de la rhubarbe. L'année dernière, j'en ai pas eu. Moi, je l'avais planté l'année dernière, hein, donc c'est normal. Regardez pas derrière, hein, c'est ce qui doit aller aux encombrants. Et là, mes forticias. Donc, j'en ai un là, un ici, et j'en ai un à l'entrée du jardin. Et là, c'est un rosier sauvage que je verrai. Il y en a deux, il y en a un là aussi. Que j'avais récupéré au milieu du jardin, c'était à l'ancienne propriétaire, donc je les ai replantés. Et voyez ce que je vous disais, la plante tout à l'heure qui est toxique, vous voyez, elle pousse ici aussi, dans les mauvaises herbes. Il y en a un peu partout. Voilà. Bon, j'ai encore beaucoup, beaucoup de taf. Mon persil qui commence à repousser. Je commence à avoir du persil, c'est bien, j'avais peur qu'il ne repousse pas. La pelouse, je ne vous dis pas dans quel état elle est, mais bon, on va lui faire une belle beauté. Mes fraisiers, pareil, hein, on va s'en occuper. Ils font la tête. Et voilà, vous voyez, encore un pied. Qui pousse là. Alors là, c'était mon pied de sauge. On a tout coupé. Il faut que je déracine. Mais là, il commence à repousser déjà. Mais je vais le déraciner. Parce que nous, en fin de compte, la sauge, on ne s'en sert pas. Donc. Et voilà mes deux autres rosiers grimpants qui ont du mal, qui n'ont jamais grimpé. Même jamais fait de fleurs, rien. Donc cette année, j'ai un petit espoir. Puisque là, vous voyez, il y a des feuilles sur celui-là.
Mais celui-ci, non, il veut pas. Celui-là, il veut pas. Hein. Là, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'espoir de bourgeon. Il n'y a strictement rien. Donc celui-là, je crois qu'il va partir. Et c'est là. Ça, j'aime. Alors, je ne sais plus le nom. Je vais essayer de vous le retrouver. Ça commence à pousser un peu partout. Voilà. Les pieds un peu partout. Voilà. Je vais vous retrouver le nom. Je ne sais plus. Alors, j'avais mes dahlias. Alors, ils ont poussé pendant 2 ans, là, vous voyez. Je ne sais pas si cette année, ils vont sortir. Là, une chère qui n'a pas fleuri l'année dernière, mais je l'avais plantée l'année dernière. Hein. Donc là, cette année, on va voir ce que ça va donner. Et là, c'est mes iris. Eux, ils ont super bien poussé. Ils vont faire des belles fleurs cette année. Et mon deuxième Forticia qui est là. Alors celui-là, ça reste capé. C'est le Forticia que les chiens du voisin m'avaient bousillé. Donc j'ai réussi à le récupérer. Là, il reprend forme. Je suis contente. Voilà. Et mon romarin. Voilà. Qui est tout beau. Lui, il pousse bien. Et voilà, deuxième rosier grimpant. Celui que je vous ai montré tout à l'heure, là-bas à côté du cerisier. C'est le même que celui-là, mais celui-là, il repousse. Ça va. Et le petit Bouddha d'action de l'année dernière, qui est venu se mettre ici. Mon laurier, c'est le deuxième que je plante. Deuxième qui fait la gueule. On verra. Et ma ciboulette, qui l'année dernière était complètement morte, et cette année qui a repoussé. Alors tant mieux. Donc voilà. Vous voyez, et c'est les petites clochettes bleues. Pareil, j'en ai aussi dans les fraises qui ont poussé. Donc voilà, je vous ai fait le petit tour du jardin aujourd'hui, un peu plus en détail. Quand il sera nettoyé, ben, je vous referai un petit tour. Je vous ai montré du coup mes petits achats. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, gros bisous. Je vous remonte le poulailler. Bisous.